Cela fera bientôt 25 ans que Nagui a trouvé son âme sœur, la belle Mélanie Page. C'était en 1999, du côté de Saint-Tropez. Aujourd'hui, rien n'a changé, il file toujours le parfait amour. Et ce malgré leur différence d'âge, sa belle ayant pour rappel 14 ans de moins que lui. Ensemble, ils sont parents de 3 enfants, Roxane, 19 ans, Annabelle, 15 ans, et Adrien, né en 2012. Le présentateur de N'oubliez pas les paroles est également le père d'un autre enfant, Nina, née en 1997 de sa relation passée avec Marine Vigne. Cette semaine, Nagui et Mélanie Page sont en interview pour Paris Match. C'est notamment l'occasion d'apprendre qu'au début de leur relation, l'animateur vivait à Saint-Cloud, ville très chic des Hauts-de-Seine, tandis que sa dulcinée habitait dans le Marais, célèbre quartier parisien. Le cadre était parfait, mais c'est vrai que tout fermait à 18h, s'est-il souvenu pour le magazine. Il a fallu qu'elle le supplie de revenir dans la capitale pour qu'il accepte. Mais si et seulement si les deux conditions suivantes étaient respectées, personne au-dessus de sa tête, car il avait déjà vécu avec des voisins bruyants, ainsi que, dans l'idéal, une vue. On est dans une bulle depuis, ils ont donc emménagé ensemble et vivent aujourd'hui au cœur de Montmartre, dans le 18e arrondissement de la ville Lumière. C'est très calme, il n'y a pas un bruit de moteur, on est dans une bulle, explique Nagui à nos confrères. Mélanie Page semble également très séduite par ce quartier, elle qui est tombée amoureuse de Paris tout court. Une passion pour cette ville, qui lui a été transmise dès son plus jeune âge par ses parents originaires d'Australie et du Royaume-Uni, j'ai été élevé par des étrangers qui se sont installés ici par amour. Moi aussi j'ai adoré les ponts, les monuments, les rues. Pendant des années, j'ai tout fait à pied. À noter qu'un plus d'avoir des enfants et d'être installé dans un quartier agréable de la capitale, Nagui et Mélanie Page sont mariés depuis 2010. Un mariage qui s'était déroulé en Égypte, le pays d'origine de l'animateur.